Tu l'as reconnu. Lui, c'est Guy Ange Emmanuel, plus connu sous le nom de Suspect 95. Il est rappeur, chanteur, auteur-compositeur et interprète ivoirien. Jeune passionné ayant choisi la musique comme moyen d'exprimer son talent, le jeune Guy se voit désormais considéré comme l'un des poils du rap ivoirien, comme lui me l'a si bien dit lors de son passage à une émission télé. Suspect 95, est-ce que tu te considères comme le GOAT du rap ivoirien? Oui, je considère que je suis le meilleur rappeur ivoirien. Abonne-toi, abonne-toi là-bas. Alors tiens-toi bien mon gars, quand nous allons entrer dans un monde suspect au nombre 95. Alors bienvenue sur la chaîne, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Like, pour liker, like et puis let's go. De son vrai nom, Guy Ange Emmanuel, Suspect 95 va le jour un 15 août 1995 à Cocody, où il a fait son enfance. Commune d'ailleurs, il a permis de se faire une place dans le milieu du showbiz ivoirien. Le nom Suspect 95 lui venait d'un jeu vidéo nommé Jeff Jam Fight for Night. Pas mes blessés ici, hein. Attends, il commence. Jeff Jam Fight for New York, voilà c'est ça. Pour le personnage principal s'appelle Suspect et le 95 désigne tout simplement la date de sa naissance, 1995. Alors Suspect 95 commence à écrire ses premiers textes de rap au collège du Monet de Cocody où il a d'ailleurs fréquenté. Mais bon, tout ça m'a donné envie de savoir une seule chose. On devait faire passion pour la musique, ou plutôt, qu'est-ce qui l'a amené à la musique? Ou bien pas ça. Alors pour savoir, pour comprendre comment Suspect est entré dans la musique, je vais te dire ce qu'il a dit dans une interview. Donc, écoute ça très bien. Quand j'étais petit, ma grande sœur vivait en Angleterre et nous envoyait les cassettes des titres qui cartonnaient le plus en Europe et aux États-Unis. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aimer la musique, notamment grâce à deux titres de Tupac Shakur, Californie et Change. Mais je n'étais pas encore branché musique. Mon goût pour la musique est vraiment arrivé quand j'étais en classe de 4e et 3e au collège Moulin de Cocody. Donc voilà les gars, comment Suspect a commencé à aimer la musique? Grâce à sa grande sœur qui envoyait les cassettes et écoutait les sons de Tupac Shakur. Mais avant de poursuivre, j'ai une petite anecdote à vous donner à propos de Suspect 95. Une anecdote très très choquante. Attends, je porte mon chapeau pour vous expliquer ça. Ici frère non? Ben, un peu bégé d'une manière là. C'est bon. Selon ses propos, hein, je cite, donc écoute ça. À l'époque, mon gars et moi, on était un peu les ringards de l'école quand on était intelligents. C'est ça le problème. Ils sont trop intelligents. Donc pas populaire. Par contre, il y avait une bande de nuls, de nulos. Très populaire car ils faisaient du rap. Toutes les filles les aimaient. Et comment maintenant? Un jour, un de mes amis a décidé de leur faire un clash de rap pour les défier et tenter ainsi de devenir populaire. Mais malheureusement, ça s'est mal passé et il s'est fait humilier. Du coup, j'ai pris la relève et écrit mes premiers textes du rap pour sauver notre honneur. Oh, et comment maintenant? Non, c'est quoi les femmes? Ah oh. Excusez-moi. Attends, je porte mon chapeau. Le chapeau de la gloire. Vous avez manqué de ça, non? Ah. Ça va, tout le monde qui peut avoir ça, hein? Attends, il porte même. Ok. C'est frère qu'on met là, on peut commencer. Suspect 95 a réellement commencé le rap en 2012 où il a travaillé avec Baby Philippe sur un projet intitulé Demain ta partie. La zig c'est ma vie, elle coule dans mes veines. C'est elle qui m'aide, qui me sépare de mes blèmes. L'engrage de mes joies, de mes peurs, de mes peines. Canal de mes haines, mes douleurs, de mes haines. C'est grâce à elle que des fois je m'évade de cette terre. De... Après ça, silence radio. Plus rien, la radio en bourse. Et là maintenant, on a dû attendre jusqu'à 2015. Le gars maintenant il vient et puis il va sortir un son maintenant au nom de l'amour qui a fait un carton, un boom à l'époque. C'était un hit de la mort mon gars. Je veux dire que c'est le son qui l'a boosté même. Ça l'a donné une place. Une petite place quand même tu vois non. Papa, je l'ai jamais vu mais enfin je dois l'appeler comme ça n'est-ce pas. Mon repère, c'est toi évidemment. Je t'aime abondamment. A jamais je n'aurai Dieu que pour toi maman. Mais voilà ce monsieur qui entre dans ta vie. Le 23 juillet 2016, pour être bien précis, Suspect 95 en collaboration avec Triumph Productions sort un vrai banger, l'un des plus gros tubes actuellement. Quand il est le son est bâtard. Il a tué le son. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Faut laisser grand tout là. Enfant de boss, c'est boss. 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 Tu connais? Enfant de boss, c'est boss. À la suite du succès qu'a connu son hit Enfant des Boss, c'est Boss, Suspect 95 commence à enchaîner les hits. Il enchaîne. C'est poteau sur poteau. On comprend pas. C'est passé presque inaperçu. Mais se connaissant, Suspect 95 n'a pas laissé les bras. Il a persévéré, persisté, réinsisté, charbonné, travaillé. Tout ce que tu veux, mon gars. Il a fait tout ça. Mais poteau. Ah, mais c'est fort, hein. T'as cru que quoi? C'est pas passé comme ça, hein. Un gars prend le bon script maintenant, mais si t'es fâché, la fois le boire l'eau. Fais comme moi, bois un peu d'eau, c'est bon pour la vie.
Maintenant, le syndicat a fait, il y a un cadeau pour vous. Une pièce ou un billet de 500 par wave. C'est petit, mais c'est quelque chose. Donc, c'est le syndicat à la fin. Tu as gagné un cadeau. Tu as gagné le cadeau, tu as répondu à une question. Et la question, je trouve à la fin. Donc, reste jusqu'à la fin pour gagner 500 par wave. C'est petit, mais c'est beaucoup pour moi. Après le succès de son hit, en fin de boss, Suspect 95 va sortir des hits comme Illuminati. Rien que c'est ton t-shirt, vendu tu es franc-maçon. Peu importe, même si c'est pas notre signalisation. 2012, les Mayas, c'est la connerie au sommet. Juste une tête de cabri, on commence à te parler de Baphomet. On meurt plus de vieillesse, tout est sorcellerie. Tu trébuches tes erreurs, faut plus nous toucher, c'est les génies. Ton nom veut dire fétiche. Mais si tiens ton CV, c'est quoi tu appelles les pieds? Et faut changer de chemin. 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 Ah, faut changer de chemin. Changer le monde. 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 La machine est lancée. Lancée, lancée. La machine est lancée. Lancée, lancée. Faut changer de chemin. Changer le monde. Faut changer de chemin. Changer le monde. Révélation. Hey, je suis la révolution. On m'annonce net tout si c'est cash, j'arrive comme encaissement. Faut savoir que les deux sont Illuminati, Faut changer de chemin, sont sortis en 2016, la même année qu'Enfant des Boss, c'est Boss. Ça avait plein de sons, Enfant des Boss, c'est Boss. Suspect 95 a connu beaucoup de hits à succès, tels que Laisse-nous chercher tous les ways, sorti en 2017. Laisse-nous chercher tous les ways, 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 laisse-nous chercher tous les ways. Chez la chérie, c'est quoi tout ça? Donne ton numéro, je t'appelle là-bas là. Tu es fraîche, c'est tout ce qui importe. Si tu es en couple ou quoi, ça j'ai mon fils, ça c'est ton gars. Il a un son nommé contrat. Elle dit qu'elle ne te suit pas. Maintenant tu te fâches, là c'est par rapport à quoi. Oh, dis-moi avec elle contrat. Dis-moi avec elle contrat. Et puis tu te fâches comme ça. Il y a aussi le fameux hit promesse. Si j'ai promis au téléphone, si je fais pas, tu peux te fâcher. Si j'ai promis sur WhatsApp, si je fais pas, tu peux t'énerver. Si j'ai promis au restaurant, si je fais pas, tu peux tout casser. Mais si c'est les promesses qu'on fait dans la chambre là-bas, là, oui. Ah, là, voilà. Même si c'est château, je suis d'accord. Même si c'est. Stop Guava et bien d'autres. J'ai passé un jour, ça fait quoi? Ça fait quoi, si c'est vous qui payez, ça fait quoi? Ça fait quoi, si c'est vous qui. Y'a vous dire, on veut plus les guava. 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 Si on veut tout cela, on veut quitter ici, hein. Si on veut commencer à citer là, on dorme ici, hein. Faut savoir que Suspect 95 a signé en juillet 2020 chez Def Jam Afrique, le label du groupe Universal Music. Il avait juste un son. Mais bon, tu nous aimes pas, mais bon, voici ton son, mais bon. Il faut reconnaître et il faut le dire que Suspect 95 est un artiste rempli de talent. Pétri de talent, c'est l'homme qui devra pouvoir. Avec lui seulement, tu sais pas à quoi t'attendre. Il est imprévisible. C'est un homme suspect. Jan Jay de la Rimoumien. C'est un homme suspect. Pourtant, ça s'appelle Suspect. Comme tout artiste, Suspect 95 remplit à lui seul le 27 mars 2021 le palais de la culture. La fameuse salle d'Anoumambo que d'autres n'ont pas rempli. Il a rempli ça. Donc là, abonne-toi et puis like et puis applaudis pour ça. Concernant l'actualité de Suspect 95, sorti un projet à lui seul intitulé Société Suspect, sorti le 8 mai 2023. Donc, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, tu vas aller kiffer ça après. Voilà, les gars, avant de terminer, comme je l'ai dit, il y a un petit jeu où tu peux gagner la somme de 500 francs. J'ai dit bien 500 francs. C'est pas beaucoup, mais quand même quoi. 500 francs sur Wave. Tu as des débrouilles avec. Donc, c'est simple. Voilà, les 500 francs, tu reprends une seule question. Suspect 95, ça fait combien de feats? De 2015 jusqu'à actuellement, ça fait combien de feats? Et puis, tu mets un commentaire. Maintenant, si ton commentaire est le plus de likes, le samedi prochain, je vais te faire ton dépôt de 500 francs sur Wave. C'est rien, mais c'est beaucoup. J'ai acheté poisson 300, article 100 francs, union 25, tomate 26, monnaie 50. Et puis, c'est tout. Ou bien, voilà. Donc, je vais me lever pour vous dire au revoir maintenant. Je me lève. Avec le chapeau de la gloire. Donc, les gars, on se rend rendez-vous le samedi prochain. Prenez soin de vous. Likez, partagez et puis bye quoi. Bon, au revoir. J'ai oublié. La caméra.